Dans un monde où les pressions sociales, les attentes extérieures et les critiques incessantes peuvent nous amener à douter de notre propre valeur, il est crucial de se rappeler que l'amour de soi est non seulement permis, mais encouragé dans l'islam, à condition qu'il soit aligné avec notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous enseigne que chaque être humain possède une valeur intrinsèque et une dignité incommensurable. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sourate At-Tin, verset 4. Ce verset souligne que nous avons été créés par Allah avec un honneur et une beauté unique. Reconnaître cette dignité, c'est faire preuve de gratitude envers notre Créateur. L'amour de soi, dans une perspective islamique, ne signifie pas l'égoïsme ou l'autosatisfaction. Au contraire, il s'agit de reconnaître les bénédictions qu'Allah nous a accordées et de les utiliser pour nous améliorer continuellement, pour être des serviteurs d'Allah plus dévoués et des membres plus actifs et bienveillants de notre communauté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres ». Cet enseignement nous rappelle que l'amour de soi doit nous pousser à nous développer pour le bien des autres, et non pas à nous enfermer dans un narcissisme destructeur. En nous aimant nous-mêmes, nous reconnaissons également notre responsabilité envers notre corps et notre âme. Nos corps sont des amanas, des dépôts d'Allah, et il est de notre devoir de les préserver et de les traiter avec respect. Prendre soin de soi, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement, est une forme d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a aussi dit « Ton corps a un droit sur toi ». Hadith rapporté par Bukhari. Cet amour pour soi-même, lorsqu'il est bien compris, nous pousse à prendre soin de nous pour mieux servir Allah et notre communauté. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous aborderons 6 étapes puissantes basées sur le Coran et la Sunna pour améliorer l'amour de soi. Chers frères et sœurs, en apprenant à nous aimer nous-mêmes d'une manière qui est conforme aux enseignements islamiques, nous renforçons non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais aussi avec notre Créateur. Cet amour de soi, guidé par la foi, nous mène vers une vie plus épanouissante, plus équilibrée et plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'écoutez pas les chuchotements de Satan. Étape 1. Reconnaître sa valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. La première étape pour développer un amour sain de soi-même est de reconnaître la valeur immense que nous avons aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette reconnaissance n'est pas simplement une affirmation personnelle, mais un élément central de notre foi islamique. Allah nous a créés avec soin, en nous dotant de caractéristiques uniques et d'un potentiel immense. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Sourate At-Tin, verset 4. Ce verset souligne que chaque être humain a été créé avec une dignité et une noblesse intrinsèques, un témoignage de l'amour et de la sagesse d'Allah dans sa création. Il est important de comprendre que cette valeur ne dépend pas de nos accomplissements matériels, de notre statut social ou de l'opinion des autres. Elle est inhérente à notre existence en tant qu'êtres humains créés par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Hadith rapporté par Muslim. Cela signifie que notre véritable valeur réside dans la pureté de notre cœur et dans nos actions, et non dans des critères superficiels. Pour renforcer cette reconnaissance de notre valeur devant Allah, il est utile de méditer sur le fait que nous avons tous un rôle unique à jouer dans ce monde. Chaque personne a été créée avec des talents et des capacités spécifiques, et il est de notre devoir de les reconnaître et de les utiliser pour le bien, conformément à la volonté d'Allah. Cette réflexion nous éloigne des pensées négatives et des doutes sur nous-mêmes, en nous rappelant que nous avons été créés avec un but noble et que nous avons une contribution précieuse à apporter. Un autre aspect crucial de cette étape est de se rappeler que notre valeur devant Allah est immuable. Même lorsque nous faisons des erreurs, notre valeur ne diminue pas. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghaffar, le tout pardonnant. Et il nous appelle à revenir à lui lorsque nous nous égarons. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. En reconnaissant cette miséricorde, nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de notre perfection,
mais de notre relation continue avec Allah. En fin de compte, reconnaître notre valeur devant Allah est un acte de foi qui nous permet de développer un amour de soi équilibré et en harmonie avec notre croyance. C'est une étape fondamentale pour nous aimer nous-mêmes, d'une manière qui reflète la noblesse de notre création et qui nous pousse à vivre une vie en accord avec les enseignements de l'islam. En reconnaissant cette valeur, nous posons les bases d'une estime de soi solide, ancrée dans la spiritualité et la reconnaissance des bénédictions d'Allah. Étape 2. Cultiver la gratitude. La deuxième étape pour s'aimer soi-même dans l'islam est de cultiver la gratitude, une qualité qui est au cœur de la foi et de la spiritualité musulmane. La gratitude est une reconnaissance constante des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Et c'est un moyen puissant de développer un amour sain de soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de la gratitude dans le Saint-Coran. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset nous enseigne que la gratitude ne se contente pas d'améliorer notre relation avec Allah, mais elle augmente également les bienfaits que nous recevons. Ainsi, en cultivant la gratitude, nous renforçons non seulement notre lien avec notre Créateur, mais nous créons aussi un état d'esprit positif qui nourrit notre amour de nous-mêmes. Cultiver la gratitude commence par reconnaître les petites et grandes bénédictions que nous avons dans notre vie quotidienne. Il peut s'agir de notre santé, de notre famille, de notre nourriture, ou encore des talents et des compétences que nous possédons. En prenant le temps de réfléchir à ces bénédictions, nous réalisons que nous sommes continuellement entourés des faveurs d'Allah. Par exemple, le simple fait de pouvoir respirer est une bénédiction immense que nous prenons souvent pour acquise. Lorsque nous méditons sur ces bienfaits, cela nous pousse à ressentir de la reconnaissance et à développer un amour plus profond pour nous-mêmes, car nous nous voyons comme des récipiendaires des bénédictions divines. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a également enseigné l'importance de la gratitude à travers ses actions et ses paroles. Il a dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah » Hadith rapporté par Abu Daoud. Cela montre que la gratitude doit être exprimée non seulement envers Allah, mais aussi envers les personnes autour de nous. En exprimant notre reconnaissance, nous créons un environnement de positivité et d'appréciation qui renforce notre estime de soi et notre amour pour nous-mêmes. Un autre aspect crucial de la gratitude est qu'elle nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Dans un monde où les comparaisons et les envies peuvent facilement éroder notre confiance en nous-mêmes, la gratitude agit comme un bouclier. Elle nous rappelle que ce que nous possédons est suffisant et que tout ce qu'Allah nous a donné est parfait pour nous. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de bienfaits, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela est plus approprié pour que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah. » Hadith rapporté par Muslim. En suivant ce conseil, nous apprenons à être satisfaits de ce que nous avons, ce qui renforce notre amour de soi. La gratitude nous pousse également à agir de manière positive et à utiliser les bénédictions d'Allah pour le bien. Lorsque nous reconnaissons les dons que nous avons reçus, nous sommes incités à les utiliser de manière bénéfique, que ce soit en aidant les autres, en contribuant à notre communauté ou en améliorant nous-mêmes. Cette utilisation proactive de nos bienfaits est une forme d'amour de soi qui est non seulement alignée avec notre foi, mais qui nous aide aussi à grandir spirituellement. Cultiver la gratitude est une étape essentielle pour s'aimer soi-même dans l'islam. Elle nous aide à voir la beauté et la valeur de notre vie, à renforcer notre lien avec Allah et à vivre avec une attitude positive et reconnaissante. En pratiquant la gratitude, nous découvrons une paix intérieure qui nourrit notre amour de soi et nous guide vers une vie plus épanouissante et plus alignée avec les enseignements islamiques. Étape 3. Prendre soin de son corps et de son âme. La troisième étape essentielle pour s'aimer soi-même dans l'islam est de prendre soin de son corps et de son âme. Ce principe est profondément enraciné dans la tradition islamique, où le corps et l'âme sont vus comme des dépôts précieux confiés par Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons préserver et honorer. Prendre soin de soi, tant sur le plan physique que spirituel, est une manifestation de notre gratitude envers Allah pour les dons qu'il nous a accordés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui croyez, prenez vos précautions. » Sourate An-Nisa, verset 71. Ce verset, bien que souvent interprété dans le contexte de la sécurité,
peut également être compris comme un rappel de l'importance de prendre soin de soi de manière générale. La santé physique et mentale est un aspect de la précaution que nous devons prendre pour pouvoir adorer Allah pleinement et vivre une vie équilibrée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également souligné l'importance de prendre soin de son corps. Il a dit « Ton corps a un droit sur toi ». Hadith rapporté par Bukhari. Cette déclaration simple mais puissante nous rappelle que notre corps n'est pas seulement un outil pour cette vie, mais une responsabilité que nous devons entretenir. Prendre soin de son corps signifie adopter un mode de vie sain, manger des aliments nourrissants, faire de l'exercice régulièrement et éviter ce qui pourrait nuire à notre santé. Par exemple, choisir des aliments sains et équilibrés n'est pas seulement un choix pour maintenir son poids ou sa forme physique, c'est aussi un acte de reconnaissance envers Allah qui a créé pour nous une variété d'aliments bénéfiques. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné à manger de manière modérée et à éviter l'excès, en disant « Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, que ce soit un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. » Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah. Adopter une alimentation saine et modérée est donc une forme d'amour de soi qui honore notre corps et respecte les enseignements prophétiques. Prendre soin de son âme est tout aussi crucial. L'âme est ce qui nous relie directement à Allah, et la négliger peut avoir des conséquences graves sur notre bien-être spirituel et émotionnel. L'islam met un accent particulier sur la purification de l'âme, qui est un processus continu de croissance spirituelle et de rapprochement d'Allah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi, certes, celui qui la purifie. » Sourate Ash-Shams, versets 7 à 9. Ce verset montre l'importance de travailler continuellement sur soi-même pour purifier son âme et se rapprocher d'Allah. La prière, Salah, la lecture du Coran, le dhikr, rappel d'Allah, et la méditation sur la création sont des moyens puissants de nourrir notre âme. Ces pratiques nous rappellent notre lien avec Allah et nous aident à maintenir un équilibre intérieur, nécessaire pour un amour de soi sain. Par exemple, la prière régulière est non seulement une obligation religieuse, mais aussi un moment de pause et de ressourcement spirituel. Elle nous permet de nous reconnecter avec notre Créateur, de réfléchir sur nos actions et de trouver la paix intérieure. De plus, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a encouragés à prendre soin de notre santé mentale et émotionnelle. Il nous a conseillé de ne pas laisser le stress et l'anxiété prendre le dessus. L'une des prières qu'il enseignait à ses compagnons était « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, la faiblesse et la paresse, la lâcheté et l'avarice, et contre le poids des dettes et la domination des hommes. » Hadith rapporté par Muslim. Cela montre l'importance de maintenir un esprit sain et de rechercher activement la tranquillité d'esprit. En prenant soin de notre corps et de notre âme, nous répondons à notre responsabilité envers nous-mêmes et envers Allah. C'est un acte d'amour de soi qui nous permet de vivre une vie équilibrée, de mieux servir notre Créateur et de contribuer positivement à notre communauté. Lorsque nous respectons et honorons notre corps et notre âme, nous posons les bases d'une estime de soi solide et durable, qui est en harmonie avec les enseignements islamiques. Étape 4. Éviter la comparaison. La quatrième étape pour s'aimer soi-même dans l'islam est d'apprendre à éviter la comparaison avec les autres. Dans notre société actuelle, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les standards de beauté ou les réalisations des autres. Cependant, l'islam nous enseigne que chaque individu est unique et que la comparaison excessive peut nuire à notre estime de soi et à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous met en garde contre les dangers de la comparaison et de l'envie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne convoitez pas ce par quoi Allah a donné à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Aux hommes, une part de ce qu'ils auront acquis, et aux femmes, une part de ce qu'elles auront acquis. Demandez à Allah de sa grâce. Allah est, certes, omniscient sur toutes choses. » Sourate An-Nisa, verset 32. Ce verset nous enseigne que nous ne devons pas envier ce que les autres possèdent, mais plutôt demander à Allah de nous accorder sa grâce. En évitant la comparaison, nous nous protégeons de l'envie et du ressentiment,
qui peuvent éroder notre amour de nous-mêmes. Il est important de comprendre que chaque personne a un chemin unique dans cette vie, avec des épreuves, des bénédictions et des responsabilités spécifiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec des talents et des capacités distincts, et il nous a assigné des épreuves qui correspondent à nos forces. Par exemple, certaines personnes peuvent exceller dans les affaires, tandis que d'autres brillent dans les arts ou les sciences. Comparer nos capacités ou nos réalisations à celles des autres revient à ignorer la sagesse d'Allah dans la distribution de ses dons. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné une approche équilibrée pour éviter la comparaison malsaine. Il a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de bienfaits, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela est plus approprié pour que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah. » Hadith rapporté par Muslim. En d'autres termes, lorsque nous nous concentrons sur ceux qui ont moins que nous, nous devenons plus reconnaissants pour ce que nous avons. Et cela nous aide à développer un amour sain de nous-mêmes. La comparaison, surtout lorsqu'elle est fondée sur des critères superficiels comme la richesse, l'apparence physique ou le statut social, peut nous détourner de notre véritable valeur en tant qu'êtres humains. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « En vérité, Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith nous rappelle que la véritable valeur d'une personne réside dans la pureté de son cœur et dans ses actions, et non dans des aspects extérieurs qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Un autre aspect important de l'évitement de la comparaison est de comprendre que ce qui est visible à l'extérieur ne reflète souvent pas la réalité intérieure d'une personne. Par exemple, une personne peut sembler avoir une vie parfaite aux yeux des autres, mais en réalité, elle peut faire face à des épreuves difficiles que personne ne voit. En évitant la comparaison, nous nous épargnons la douleur de désirer ce qui semble être une vie parfaite, tout en négligeant les bénédictions et les opportunités que nous avons. Enfin, il est crucial de se rappeler que la satisfaction et le contentement viennent de l'acceptation de ce qu'Allah a décrété pour nous. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui accepte Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Muhammad comme prophète a goûté à la douceur de la foi. » Hadith rapporté par Muslim. Cette acceptation nous aide à nous concentrer sur notre propre cheminement spirituel, à apprécier nos propres bénédictions et à développer un amour de soi qui est enraciné dans la foi et la reconnaissance d'Allah. Éviter la comparaison est une étape clé pour s'aimer soi-même dans l'Islam. Cela nous permet de nous concentrer sur notre propre croissance personnelle et spirituelle, de reconnaître notre valeur unique devant Allah et de vivre avec un cœur rempli de gratitude et de contentement. En évitant la comparaison, nous créons un espace pour l'amour de soi qui est pur, sincère et aligné avec les enseignements islamiques. Étape 5. Pardonner ses erreurs passées. La cinquième étape essentielle pour s'aimer soi-même dans l'Islam est d'apprendre à pardonner ses erreurs passées. Le pardon, en particulier le pardon de soi, est un aspect fondamental de la foi islamique, car il nous permet de libérer nos cœurs du fardeau de la culpabilité et de progresser vers une vie plus épanouissante et spirituellement alignée. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle « Sa miséricorde infinie et son pardon pour ceux qui se repentent sincèrement. » Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset est un rappel puissant que, peu importe les erreurs que nous avons commises, Allah est toujours prêt à nous pardonner si nous revenons à lui avec sincérité. Le pardon de soi-même commence par la reconnaissance de cette réalité divine. Il est essentiel de comprendre que, dans la vie, nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah. Ce hadith souligne que l'erreur fait partie de la condition humaine. Mais ce qui nous distingue est notre capacité à reconnaître nos fautes, à demander pardon à Allah et à faire des efforts pour nous améliorer. Pardonner ses erreurs passées est donc une étape clé pour avancer et pour développer un amour de soi qui est basé sur la miséricorde d'Allah. Le processus de pardon de soi-même commence par une introspection sincère et un repentir authentique. Dans l'Islam, le repentir n'est pas simplement une demande de pardon verbale,
mais un processus complet qui implique la reconnaissance de l'erreur, le regret sincère, l'abandon du péché et la ferme résolution de ne pas recommencer. Ce processus nous permet de tourner la page sur nos erreurs passées et de commencer un nouveau chapitre de notre vie avec un cœur purifié. Un exemple concret de ce processus peut être vu dans la vie de nombreux compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui, avant de se convertir à l'islam, avait commis des actes qu'il regrettait profondément. Pourtant, en embrassant l'islam, en se repentant sincèrement et en vivant une vie dédiée à la foi et à la droiture, ils ont été pardonnés par Allah et sont devenus des modèles pour les générations futures. Leur exemple nous enseigne que nos erreurs passées ne définissent pas notre avenir et que le pardon d'Allah peut transformer nos vies. Un autre aspect important du pardon de soi est de se libérer du fardeau de la culpabilité qui peut parfois paralyser notre progrès spirituel et personnel. La culpabilité excessive peut nous empêcher de voir notre valeur et de nous aimer nous-mêmes. Cependant, l'islam nous enseigne que, tout en reconnaissant nos fautes, nous devons également accepter le pardon d'Allah et avancer avec confiance. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous remplacerait par des gens qui commettraient des péchés, puis demanderaient pardon à Allah et il les pardonnerait. » Hadith authentique rapporté par Ahmad. Cela montre que la miséricorde d'Allah est vaste et que nous devons accepter cette miséricorde et pardonner nos propres erreurs pour progresser. Enfin, pardonner ses erreurs passées nous permet de vivre avec un cœur plus léger et de développer une estime de soi saine. En acceptant que nous sommes des êtres humains imparfaits et que les erreurs font partie de notre cheminement, nous nous donnons la permission de grandir et de nous améliorer. Cela renforce notre amour de soi, car nous reconnaissons que notre valeur ne diminue pas à cause de nos erreurs, mais que nous avons la capacité de nous racheter et de nous rapprocher d'Allah à travers le repentir. Pardonner ses erreurs passées est une étape cruciale pour s'aimer soi-même dans l'islam. Cela nous libère de la culpabilité, nous permet de tirer des leçons de nos fautes et nous donne la force de poursuivre notre cheminement spirituel avec confiance et amour pour nous-mêmes. En pardonnant nos erreurs, nous nous rapprochons de la miséricorde d'Allah et nous créons un espace dans nos cœurs pour un amour de soi qui est pur, sincère et en harmonie avec les enseignements islamiques. Étape 6. S'entourer de positivité. La sixième et dernière étape pour s'aimer soi-même dans l'islam est de s'entourer de positivité. L'environnement dans lequel nous vivons, les personnes avec qui nous passons notre temps et les influences que nous laissons entrer dans nos vies jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. L'islam met un accent particulier sur l'importance de choisir des compagnons et des environnements qui nous élèvent et nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, alors que chacun de vous prenne garde à qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ce hadith met en lumière l'influence profonde que nos amis et nos proches peuvent avoir sur nous. Si nous nous entourons de personnes positives, pieuses et bienveillantes, cela aura un impact bénéfique sur notre propre état d'esprit, notre comportement et notre développement spirituel. En revanche, des compagnons négatifs peuvent nous entraîner vers des pensées et des actions qui nuisent à notre amour de nous-mêmes et à notre relation avec Allah. S'entourer de positivité commence par choisir soigneusement les personnes avec qui nous partageons notre temps. Dans l'islam, les compagnons vertueux sont ceux qui nous rappellent Allah, qui nous encouragent dans nos efforts pour devenir de meilleures personnes et qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à comparer les bons compagnons à un vendeur de musc. Le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comme le vendeur de musc et le forgeron. Le vendeur de musc te donnera un peu de musc, ou tu en achèteras, ou tu sentiras une bonne odeur. Quant au forgeron, il brûlera tes vêtements, ou tu sentiras une mauvaise odeur. Hadith, rapporté par Bukhari et Muslim. Cette analogie nous montre l'importance de choisir des compagnons qui apportent de la positivité dans notre vie. Il est également important de se rappeler que la positivité ne concerne pas seulement les personnes, mais aussi les environnements et les influences que nous laissons entrer dans nos vies. Cela inclut les médias que nous consommons, les réseaux sociaux que nous fréquentons et les lieux que nous visitons. S'entourer de positivité signifie choisir des sources d'inspiration qui nous élèvent, qui renforcent notre foi et qui nous encouragent à être de meilleures personnes. Par exemple, lire des livres inspirants, écouter des conférences islamiques,
et suivre des comptes de médias sociaux qui partagent des messages motivants et spirituels peuvent tous contribuer à un environnement mental et émotionnel positif. Un autre aspect crucial de s'entourer de positivité est de s'éloigner des influences négatives. Cela peut inclure des personnes qui nous critiquent constamment, des environnements qui encouragent les comportements destructeurs ou des contenus médiatiques qui nuisent à notre moralité et à notre spiritualité. En nous éloignant des influences négatives, nous protégeons notre esprit et notre cœur, et nous créons un espace où l'amour de soi peut s'épanouir. Il est aussi important de se rappeler que s'entourer de positivité ne signifie pas éviter les défis ou les difficultés. Au contraire, cela signifie faire face à ces défis avec le soutien de personnes et d'influences qui nous rappellent la puissance d'Allah et nous encouragent à persévérer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Un environnement positif nous aide à trouver la force de persévérer dans les moments difficiles et nous rappelle de nous tourner vers Allah pour obtenir du soutien. S'entourer de positivité est une étape essentielle pour s'aimer soi-même dans l'islam. Cela nous aide à maintenir un état d'esprit sain, à renforcer notre foi et à progresser spirituellement. En choisissant des compagnons vertueux, des environnements inspirants et en nous éloignant des influences négatives, nous créons un espace propice à l'épanouissement de notre amour de soi. Cet amour de soi, nourri par la positivité, nous guide vers une vie plus épanouissante et plus alignée avec les enseignements islamiques. Chers frères et sœurs, s'aimer soi-même dans l'islam n'est pas un acte d'égoïsme, mais un cheminement spirituel qui nous permet de mieux comprendre notre place dans ce monde et notre relation avec notre Créateur. À travers ces étapes que nous avons explorées ensemble, nous voyons comment l'islam nous guide vers un amour de soi sain, équilibré et profondément ancré dans notre foi. L'islam nous enseigne que l'amour de soi est intimement lié à notre amour pour Allah. En nous aimant nous-mêmes d'une manière qui est conforme aux enseignements islamiques, nous nous rapprochons de notre Créateur, nous renforçons notre foi et nous devenons mieux équipés pour aimer et servir les autres. Cet amour de soi n'est pas narcissique, mais il est humble, reconnaissant et orienté vers le bien. Rappelons-nous toujours que notre valeur ne dépend pas de nos possessions matérielles, de notre apparence physique ou des opinions des autres, mais de notre lien avec Allah et de notre engagement à vivre selon ses commandements. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit, « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Hadith rapporté par Muslim. En cultivant un amour de soi basé sur ses principes, nous créons une vie plus épanouissante, plus sereine et plus alignée avec la volonté divine. Si vous avez regardé jusqu'ici, écrivez « Alhamdulillah » dans les commentaires pour me le faire savoir. Qu'Allah nous guide tous sur ce chemin de l'amour de soi qui est enraciné dans la foi et qu'il nous accorde la sagesse de reconnaître notre valeur et de nous aimer pour ce que nous sommes. Que ce voyage vers l'amour de soi nous rapproche d'Allah et nous permette de vivre une vie pleine de paix, de gratitude et de contentement. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.